ça va être celui d'André. Alors André, vous le connaissez, parce qu'en général, il ne veut pas faire de discours, mais après, André, on ne l'arrête plus. Mais c'est légitime, parce qu'il a plein de choses intéressantes à nous dire, et il est en même temps aussi le porte-parole de tous ceux qui ont bossé contre vents et marées, les marées, on n'a pas, mais en tout cas, la neige, la pluie, le vent, la chaleur d'aujourd'hui, et donc, on voit bien tous les effets de ce travail très, très important et formidable, et en tout cas, très remarquable. Donc André va prendre la parole, mais il va être encadré par quelques mots de Pierre Gouverneur, qui va commencer, et moi je finirai très modestement ensuite. Donc Pierre, j'ai l'honneur de démarrer et d'être le porte-parole de Max Vincent, qui est le président du syndicat des Monts d'Or. C'est donc avec plaisir que nous inaugurons aujourd'hui l'enclos de la Rosette. Il y a tout juste 2 ans, nous nous réunissions pour inaugurer la restauration des 2 premières cabanes. Qui allait marquer le démarrage d'une belle dynamique de restauration sur la commune de Saint-Cyr au Mont-d'Or. Cette dynamique locale a vu le jour et a commencé à se concrétiser en 2012, sous l'impulsion de Bernard Coquet, de Vivre à Saint-Fortunat, et Michel Matray, sauvegarde des lavoirs et du petit patrimoine. Pour le syndicat mixte des Monts d'Or, c'est une fierté de voir que ce travail collectif, lancé dans les années 1990, prend de l'ampleur. Il valide le positionnement de facilitateur que le syndicat des Monts d'Or et les communes avaient choisi d'assurer avec détermination, avec la souplesse d'intervention qui nous permet d'utiliser au maximum les énergies de tous ceux qui veulent contribuer à l'intérêt général. Nous avons la chance d'avoir un territoire remarquable qui a su garder son âme et de disposer d'un ensemble de bénévoles qui s'investissent énormément. En 2012, l'association Caborne et Petit Patrimoine est créée, présidée par André Lorton. Elle devient à son tour partenaire du syndicat mixte et permet de faire émerger une dynamique remarquable en pleine expansion ces dernières années pour la restauration du patrimoine en pierre sèche de Saint-Cyr. L'ensemble des bénévoles, forts de leur enthousiasme et de leur savoir-faire, ont entrepris la restauration du clos de la Rosette en 2013. En partenariat avec les propriétaires, la commune, le syndicat mixte, les brigades vertes et d'autres associations de sauvegarde du patrimoine, ils se sont réunis chaque mardi après-midi pour rebâtir avec passion et savoir-faire les murs et les cabanes de ce superbe enclos. Cette restauration titanesque sera prochainement mise en valeur au travers d'un sentier thématique et d'une plaquette qui aborderont la thématique de l'homme et des paysages. Je tiens à souligner que ces exemples d'actions remarquables où l'intérêt général reprend le dessus et où les acteurs de la société civile œuvrent dans l'ombre et contribuent à la qualité de ce massif sont réellement vivifiants. Ils montrent que la gouvernance exercée localement existe. Être au plus près des acteurs locaux qui s'impliquent réellement sur le terrain permet la mise en œuvre d'un projet de territoire et de société plus durable aux portes de la grande métropole lyonnaise. Ce que nous menons collectivement sur le massif des Monts d'Or est exceptionnel et mériterait, à mon sens, d'être davantage reconnu. Merci encore à tous et que cette inauguration soit le prélude à de nombreuses restaurations sur l'ensemble du massif des Monts d'Or. Ces éloges qui nous vont droit au cœur, évidemment, parce que nous avons passé 2 ans et demi à remettre les murs en place, etc. Et donc, un grand travail a été fourni par les uns et les autres. Et comme vous l'avez dit, effectivement, c'est en fin 2012 que Gérard Frappier nous a lancé un défi, celui de créer un sentier des Cabornes sur la commune de Saint-Cyr. Donc, nous nous sommes tous donnés à fond pour réaliser et arriver à relever ce défi. Les uns et les autres sont venus régulièrement tous les mardis. Ils ont été très assidus. Il y a eu une activité que je vais qualifier de conséquente parce que les uns et les autres se sont investis beaucoup. Et donc, vous voyez, vous verrez le sentier que les uns et les autres ont fait et je pense qu'il sera pour les uns et les autres agréable. Mais je vais passer rapidement maintenant pour vous présenter quand même les acteurs parce qu'aujourd'hui, c'est un peu quand même leur fête. Donc, je vais vous présenter les acteurs de ces réalisations, les uns après les autres.
Je vais commencer par les dames qui sont ici. Plusieurs articles donc sur les croix, sur la rosette. Et donc ces articles sont parus à la fois sur le site internet et vont paraître sur le topo guide qui a été élaboré par Marc et un groupe de travail. Vous avez Jacques ici qui est pensif, c'est le roi du diable. Le roi du diable, pourquoi? Parce que de temps en temps nous avons à transporter des pierres qui font plus de 100 kg et donc il n'y a qu'un seul moyen, c'est de prendre un diable et d'avoir quelqu'un qui le conduit, donc c'est Jacques qui s'y paye. Ensuite vous avez David. David, c'est l'informaticien, il nous a fait un site internet, certes, mais lorsqu'il empile les cailloux, il le fait avec la même rigueur que ses programmes informatiques, et donc c'est tout impeccable. Ensuite, on a Raymond. Raymond, qui est un ancien de la restauration, et donc lui, il empile très bien les cailloux, mais il lui faut être tranquille. Il n'aime pas qu'on le dérange. Gérard, également un ancien de la restauration, il m'a envoyé un mail un jour pour me dire la caborne berger, si on met une pente de 60%, le dessus de l'encorbellement doit faire 3,60 m. Donc c'est lui qui fait les calculs. Ensuite, Gérard, c'est le roi de la brouette. Le roi de la brouette, alors il faut savoir qu'on a descendu de nombreuses brouettes de pierre d'ici jusqu'au caborne, ce qui représente à peu près 100 kg, et donc il faut bien que quelqu'un le fasse, et donc Gérard se dévoue pour le faire. Christian, qui vient toujours accompagné de sa pioche de terrassier, et vous avez pu voir, il n'y a plus du tout de souche. Quant à Yves, maintenant, il fait parfaitement les murs. Au départ, le mur avait du ventre, et maintenant, il a du fruit. Quant à Marc, donc c'est le rédacteur, c'est lui qui était le leader du groupe de travail et qui a conçu à la fois le topo guide et donc des panneaux pour la signalétique. Donc c'est lui qui est à l'origine de tout ça, qui a plusieurs fois remis le travail, qui a refait des textes, etc. Donc c'est à lui que nous devons tout ça. Il en manque. Avec Bernard Coquet, comme on vous l'a expliqué, a été une des chevilles ouvrières de ce chantier. Et donc, lui, avec son expérience, nous a aidés à faire tout ce travail et nous a indiqué comment faire des murs, faire un encorbellement, etc. Quant à Maurice, il se cachait. Pourquoi? Parce que lui dit qu'il est le manœuvre de l'équipe. Il est le manœuvre de l'équipe, mais il n'y a pas mieux que lui pour déliter un banc de pierre avec la masse et la baramide. Alors j'espère que j'ai présenté les uns et les autres. Maintenant je vais passer à nos soutiens, entre guillemets. Et vous en avez ici, ça me fait plaisir de les voir. J'appelle le soutien donc monsieur le maire de la commune de Saint-Cyr, et qui a donc financé l'abattage des arbres qu'il y avait sur le sentier. Et donc nous a donné régulièrement des subventions pour nous permettre d'acheter du matériel, des échafaudages, du matériel de sécurité. On a également eu le soutien du syndicat mixte, mais c'est un grand soutien parce qu'au départ, donc, on fonctionnait un peu en échange simplement pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Et puis ensuite, rapidement, nous en sommes venus à un travail de coopération, voire un travail actif, puisque au niveau du syndicat mixte, il y a Hervé, un collaborateur, qui a passé une semaine avec une pelle mécanique pour arracher toutes les souches. Il y a Cédric et Louis, qui sont les champions de la brouette à chenilles et qui nous ont descendu des pierres et qui ont pris 2 jours pour faire ça et qui ont fait de nombreux autres travaux. Donc on arrive à un travail de coopération avec le syndicat mixte qui est très intéressant. Évidemment, ils nous ont toujours soutenus dans nos actions, nous ont donné du matériel si on avait besoin, etc. Il y a M. Defarge, mais je ne le vois pas, M. Defarge, qui est le président de la caisse locale de Crédit Agricole de Saint-Didier,
qui nous a offert une tronçonneuse et une débroussailleuse. Il y a Régis Desmounem qui, lui, a participé à la rédaction d'une partie du topo-guide sur la lecture de paysages. Il y a M. Perrault qui est là avec son tracteur aujourd'hui, mais qui est venu plusieurs fois avec son tracteur pour transporter des pierres, les prendre ici et les monter là-haut pour refaire les murs. Il y a son frère, Henri, qui n'est pas là, mais j'ai vu que son épouse était là, donc il va nous rejoindre, qui a travaillé gracieusement pour arracher toutes les souches de chêne du chemin Chenevier. Il y a M. Collavet, que j'ai vu ou entrevu tout à l'heure, qui est là, qui lui aussi a arraché des souches, a transporté des pierres. Donc avec ces gens-là, ça nous permet d'avancer. Samedi dernier, nous avons eu une dizaine de jeunes qui font partie de l'association Gone Rider et qui sont venus arracher les dernières souches que Christian avait laissées. Et donc maintenant, le chemin est impeccable. Il est important de signaler ce genre de choses parce que ce sont des jeunes qui habituellement courent dans le Mont d'Or, mais s'investissent et veulent aussi entretenir les chemins. Donc nous avons dit banco, ils sont venus, ils nous ont fait un sérieux travail. Alors tout ça, pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc des acteurs, des soutiens, pourquoi faire 5150 heures de travail, 14 cabanes restaurées, des murs qui ont été érigés en totalité et il y en a plus de 100 mètres. Quant aux murs qui ont été restaurés et reconstruits, je n'en ai pas fait le calcul. Autre exemple, sachez que la cabane berger que vous allez voir tout à l'heure, c'est plus de 50 tonnes de pierre que nous avons manœuvrées pour déconstruire et reconstruire. Vous avez un petit mur à côté, là aussi, qui représente à peu près 30 tonnes de pierre. Pourquoi? Parce qu'on prend des pierres, on les cherche, ensuite on les charge, on les décharge, et ensuite on fait le mur. Donc ces pierres, on les aime, on les prend plusieurs fois, et donc voilà le résultat. J'espère que les uns les autres auront plaisir à parcourir ce sentier. Nous avons voulu que ce sentier soit un peu plus large qu'un sentier uniquement caborne. Nous avons souhaité y associer la lecture de paysages, ainsi que d'autres choses, donc pour le rendre plus complet à notre avis, et c'est la raison pour laquelle ce sentier va s'appeler désormais Sentier de l'Homme et du Paysage. Donc, je vais remettre à Monsieur le maire la clé qui permet d'ouvrir les barrières de ce sentier. Il pourra désormais mettre ce sentier sur le patrimoine de la commune de Saint-Cyr, et j'ai mis avec cette clé un petit porte-clés avec le nom des associations qui ont travaillé à ce chantier. Donc vous avez Vivre Saint-Fortuna, ensuite Sauvegarde et Lavoir et du Petit Patrimoine de Limonest et Cabanes et Petit Patrimoine du Mont d'Or. Voilà, Monsieur le maire. Ce qu'on appelle, on aura une fresque, un dessin sur ce superbe enclos. L'histoire, je ne vous la raconte pas, je vous laisserai le plaisir de la découvrir. Mais voilà, on aura deux tables de lecture, une ici qui expliquera la vie de cet enclos, et puis une autre plutôt sur le sentier des rapaces, où là, on sera sur un panorama qui est absolument extraordinaire, où on pourra raconter justement la vie des monts d'or, la vie de l'homme, les paysages, et c'est pour ça qu'on a souhaité tous ensemble donner ce nom à ce sentier, le sentier de l'homme et du paysage. Cet automne, parcourir l'ensemble de ce sentier avec grand plaisir. Vous verrez, il y a plein de petites surprises. On en fait un tout petit bout aujourd'hui. Mais on vous laissera ce plaisir. Alors nous, syndicats, on va gérer, c'est un petit condensé de tout ce qu'on fait, on en profite, on vous explique un petit peu nos actions. Donc on travaille pour la restauration de tout ce qui est patrimoine bâti, mais également pour tout ce qui est patrimoine agricole, espace naturel compris. Et puis on a, sur des sentiers comme ça, une gestion un petit peu particulière. On va essayer d'observer ce qu'on a comme richesse de biodiversité sur place. Les arbres morts, on a tendance à les couper, nous on va en garder quelques-uns. On va voir un petit peu plus loin que l'année dernière, un collègue à Maurice Belveig a trouvé un champignon tout à fait extraordinaire, l'hydne hérisson. Voilà, c'est rare, il n'est pas là par hasard. Il est là parce qu'il conserve des arbres morts. Et puis on voit juste le chêne qui est au-dessus,
on voit un magnifique trou, hein, vraisemblablement une ancienne branche en fait, qui a cicatrisé, qui a dépéri petit à petit, et puis le pic, vraisemblablement, vu la taille, là on serait plutôt sur un pic épêche, eh bien il a fait son nid. Il a fini de creuser, il a fait son nid, l'année d'après il s'en va, la maison charbonnière va venir à son tour, et voilà, cet arbre qui est, lui il est encore un petit peu en forme, mais certains le sont moins, et petit à petit, on va gagner en biodiversité si on est un tout petit peu plus sensible. Bien entendu, on va gérer la sécurité, donc cet automne, on va gérer ça avec les collègues des brigades, et puis une maison familiale rurale, puisque ça nous permet en fait de faire des liens avec les écoles, donc tout un ensemble. Donc le sentier a été pensé un petit peu, cette biodiversité également pour sensibiliser nos petits collègues. Eh bien, on les a descendus avec la brouette achetée. Alors c'est moins charmant que la brouette classique, mais parfois c'est quand même un petit peu plus efficace. Donc on l'appelle nous la carrière d'André. Donc on l'a rebouché comme ça avec quelques branches pour que le troglodyte, nous on dit que le troglodyte, c'est le petit oiseau mignon, va pouvoir s'installer dedans. Bon, c'est pour garder secrètement la carrière, hein, bien sûr. Donc, quand on aura besoin de pierre, on sait qu'on pourra venir en chercher ici. En plus, on est sur une parcelle acquise par le... Sur ce sentier, on en a parlé également avec André, Marc Faure et puis l'équipe, c'est de pouvoir... Il y a tellement de choses à découvrir, aussi bien en biodiff qu'en panorama, de pouvoir emmener les enfants avec les places de Saint-Cyr et d'autres écoles. Et on va pouvoir travailler sur des thématiques un petit peu plus artistiques, peut-être. Notamment, cet arbre mort, cette souche, hein, qu'on a laissé. On dirait un ours. C'est génial. Voilà. Et cet ours, et avec les enfants, on va s'approcher, on va pouvoir écrire des histoires. Mais exactement. Ah ouais, alors ne vous approchez pas trop, il est un peu féroce. Non, ça pourrait être un cochon aussi. Nous, ouais. C'est on l'appelle plus. Voilà. Il a l'œil un peu cabossé. Il a l'œil un peu cabossé. Voilà. Donc c'est simplement un petit regard. Des cabornes ici, 2 ans et demi de travaux, 5150 heures de travail. Alors c'est André qui m'a passé ça, il a oublié de dire qu'il y a 5150 heures pour l'équipe, mais que lui, il y est le lundi, le mardi, mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, et le dimanche aussi. Parce que ça m'est arrivé 2 fois le dimanche matin de le voir. Donc il y a globalement 5150 heures pour toute l'équipe, et 5150 heures pour André tout seul. C'est à savoir. Et il y a eu 116 mètres linéaires de murs qui ont été reconstruits. Le chemin que certains ont pris, ceux qui sont pas passés par le champ, et qui ont bien fait de prendre le chemin, était sur la partie gauche, il n'y avait plus rien. Et sur la partie droite, c'était en fait des étapes. Juste pour une idée, 116 mètres de long. La hauteur et l'épaisseur. Ah bah oui. On évalue un peu le volume. Ah. Oui. Je vais faire du Fernand Reynaud, une certaine hauteur, une certaine largeur. Vous savez très bien qu'à partir du moment où on commencera à attaquer ça, ben ça s'effondre et tout. C'est ce qui s'est passé. Il a fallu. Il restait quasiment rien. Hein, parce que si, elles vont servir pour faire l'intérieur du mur. Donc ça fait des petits cailloux, tu vois, ça fait des petits cailloux, mais on va pas pouvoir s'en servir pour l'encorbellement parce que et tout à l'heure, là il vient chanter. Tout à l'heure quand on est remonté avec Michel, on était en train d'accrocher les photos. Et quand on est redescendu, en fait, on a levé un chevreuil qui était juste en dessous de la caborne du talus, absolument superbe. Donc ça fait 2 fois qu'on le voit sur ce secteur-là. C'est toujours agréable. À n'importe quelle saison, à n'importe quel moment, ici où vous venez, vous avez une lumière particulière. C'est vraiment super agréable de venir se poser là, tranquillement, sur ce mur qui a été créé spécialement par l'équipe, puisqu'il n'existait pas, c'était une clôture en grillage. Et ici, pour parler de la politique foncière, en fait, du syndicat.
cherche un son derrière qui s'excite. Le syndicat a fait l'acquisition de cette parcelle, en fait. Donc, ça va de la cabane de l'Érable qui est en dessous, on englobe la cabane berger et puis la parcelle agricole qui est juste derrière. L'idée, c'est de pouvoir maintenir sur des micro-parcelles une activité agricole. Pas facile, pas toujours facile de trouver des agriculteurs prêts à venir travailler sur ces micro-parcelles. Et là, nous travaillons en convention avec mais également la Fédération de chasse, le GIC, et là notamment c'est l'association de chasse de Saint-Cyr qui va venir cultiver. Jusqu'à présent, on était plutôt sur de la culture plutôt de maïs, et depuis cette année, on s'est rapproché avec la Fédération de chasse, on a travaillé sur des cultures en berger. C'est vraiment très agréable. En fait, le jeu de piste, c'est qu'on voit une caborne de l'une à l'autre, il n'y a pas besoin de mettre. Alors on va descendre directement jusqu'au caborne Girard, il y en a deux l'une à côté de l'autre. Et je vous montrerai la deuxième type de construction, c'est ce qu'on appelle la caborne à claveaux. Ben on va faire une caborne. Puis on va la faire. Donc là, bah, il y a des bouts de mur. Et puis, vous pouvez regarder le mur à gauche qui est fait en ciré. Vous allez dire, il est horrible, mais on s'en est vu. Elle n'est pas extraordinaire dans le sens où elle n'est pas super belle, mais c'en est gâché. Alors, c'est un peu. La verte, c'est ça, non? Non, ça c'est poison, ça. Poison. Poison. Elles sont à peu près toutes passées. Non, c'est un arôme. Ça, là. Non, ça fait des gros grains rouges. C'est un arôme. C'est du poison. Ah bon? On en tient une bonne couche, non? Oui, qui est très très belle, très haute, extraordinaire, très très belle. Oui, mais c'est pas des choses trop embêtantes. Non, c'est pas. Il y aurait carrément un arbre. Non, bien sûr, non, mais ça j'ai fait attention. On s'est dit que si on allait prendre, il y avait une terrasse. Je vais donner ma veste parce que là, je me suis. Alors moi, j'ai tout celle-là parce que la cabane est très belle. Et puis il y a une terrasse devant. Il y a un espace chaud. Mais là, il y avait la carrière aussi. Oui, oui. Il y avait la carrière, là. Alors, c'est amusant parce que ça remet.